Allez, salut à tous, bonsoir, bienvenue sur le live. Ce soir, on reprend Alien Rage, troisième partie. Et bonsoir Matt, ça va? Alors, par contre, la zig chelou, ouais, bah, c'est un truc que j'ai trouvé qui était vachement 80, comme tu l'as deviné toi aussi. Et le truc, c'est que tout est non libre de droit sur YouTube. Donc ça devient très compliqué, tu vois, en fait, de pouvoir trouver une musique d'introduction intéressante, quoi. On est bientôt à la fin du jeu, en fait. Je suis en train de m'apercevoir. 1, 2, 3, 4, 5 missions il nous reste. 5 missions. Salut Christopher, comment tu vas mec? Tu es repopo. Faut que tu me réexpliques ton histoire de Discord. Oui, je vais te réexpliquer, tu fais bien de le dire. Là, j'attends que tu reviennes et on en parlera. Hightech, Ascension. Non, pourquoi je fais ça? Je sélectionne un niveau alors que j'ai juste à faire continuer depuis la dernière sauvegarde. Je suis trop con quoi. Des fois, je me pose des questions, je... Non, non. Ça va, écoute, ça va, fini journée, on est là. Et on va profiter un peu de. Des 2 heures qu'on a devant nous. Hein. Et puis voilà. Bon, sinon, quoi de neuf, vous? Passez une bonne journée, ça va? Pas trop travailleux. Ah putain, on l'avait pas déjà fait ce passage en plus! J'étais persuadé que si! Ah ben non. Ah ben non! Allez, allez! L'entrée m'emmerde. Moins de 10 kilos heureux. Alors en fait, je t'explique cette histoire de Discord, de ce qui se passe. C'est que le Discord, j'ai décidé, suite aux nombreuses personnes qui venaient sur le Discord, qui restaient au milieu, qui parlaient jamais, qui faisaient pas partie de la communauté, rien du tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de créer une page Tipeee aujourd'hui. Et de marquer le nom du Tipeee de mon empreinte. Et de comment ça s'appelle? De faire en sorte que le Discord soit payant et réservé uniquement qu'à la communauté, aux gens qui participent au bien-être des streams. Donc tout simplement. Donc maintenant, si tu lâches au moins ne serait-ce qu'un euro pour le comment ça s'appelle pour le stream, eh ben tu auras un lien Discord pour venir participer. Bah justement à la communauté et aux événements communautaires qu'on fera sûrement tous les mercredis ou jeudi soir. J'ai pas encore décidé, mais normalement ça devrait être ça. Donc voilà, ça sera qu'entre nous, que du vocal entre nous. Et puis comme ça évitera les gens qui viennent, qui s'incrustent pour pas grand chose, quoi. Voilà. Et puis on fera gagner des clés qu'aux gens de la communauté. Ça aussi, ça sera très bien. Au moins, pas tout le monde pourra venir follow la chaîne et puis se désabonner juste après. Et voilà, ça sera que pour les gens qu'on aime et qui participent à la vie de la communauté. Tout simplement, quoi. Et bien sûr, pour les gens qui sont déjà sur le Discord depuis le début, bien évidemment, c'est gratuit. Il n'y aura pas besoin de mettre un euro. Hein. Ça sera que normal. Donc voilà. T'as fait quoi? T'as fait le pinceau à mes cheveux? Pourquoi t'as repeint ta chambre? Bon, après le Discord, voilà, c'est vraiment que pour les gens qui le souhaitent, pour qu'on puisse jouer ensemble, se retrouver, passer des moments à discuter ou quoi, c'est fait pour, voilà. Mais qu'entre nous, voilà. J'ai vraiment coupé les ponts avec le reste de l'humanité, quoi. Ce sera vraiment que les gens qui apprécient la chaîne et les gens avec qui on parle. Ouais, je fais répéter le lien Tipeee, t'inquiète pas, je le ferai péter. Et de toute façon, toutes les infos sont sur le Discord, Matt. Donc si tu veux les lire, t'inquiète pas, il y a tout écrit dessus. Hein. Tu comprendras assez aisément, quoi. Oui, il est en train de me charcuter. Je suis mort. T'es en train de rejoindre ton futur appart, c'est bien ça. Mais tu vas habiter tout seul? Ah, si t'habites tout seul, c'est la folie, mec. C'est la folie! Non, non, c'est super. Tu vas connaître les joies de payer tes impôts, vivre sans tes parents, te faire toi-même à manger, vivre dans la merde en permanence. C'est comme ça. C'est comme ça, la vie. Est-ce que nous allons
passer cette zone. Voilà. Ah merde. C'est dommage, je peux pas faire comme dans les autres jeux, sauter par-dessus les cartons. L'autre, il est devenu invisible au sol. Tu sais que j'ai quasiment pas lu une ligne de dialogue du jeu, quoi. C'est oufissime comme le scénario, j'en ai rien à cirer. Mais... Eh, exactement. Tu as tout résumé, Christopher. C'est tout à fait ça. Et si je le ferme, justement, c'est pour pouvoir... justement, un peu plus contrôler qui y a, qui y a pas. Et puis surtout, pour en réserver l'accès uniquement aux gens de la communauté, quoi, qui participent à ça, quoi. Donc effectivement, ouais, c'est un gros changement pour le Discord et pour la chaîne, quoi. Ça fera peut-être jaser certaines personnes qui diront que c'est ridicule et tatati tatata, mais c'est mon choix et je l'assume. C'est comme ça. Je pense qu'après, on pourra faire plus de trucs entre nous, il y aura plus de récompenses pour vous. Qu'il y en a maintenant, vu qu'il n'y en a aucune maintenant. C'est pour ça, il faut que ça change. Il faut que ça change. Je puisse récompenser un peu les gens qui me suivent depuis des années. Enfin, depuis des années, depuis deux ans. Mais voilà. Aïe 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 aïe. Il se déplace vite, c'est quoi, à chaque fois en plus. Oh, ça pète de partout. Je prends cher, je prends cher. Non, du tout. Il est toujours là. Il est toujours là. Toujours présent, comme certaines personnes aussi, quoi. Il y en a par contre, j'ai viré. Après, si j'ai mal fait les choses, qu'on vienne me le dire. En message privé, en chat ou quoi, il n'y aura aucun problème. Mais sinon, au-delà de ça, voilà quoi. Et je remettrai. Je remettrai la personne. Si jamais elle me dit ah, tu m'as viré, pourquoi là? Voilà. Je remettrai, on verra, on en discutera. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur le Discord qui étaient présents, enfin, qui étaient là, mais qui parlaient jamais, qui venaient jamais sur les lives. Et donc bon, un peu ça va, mais ça sert à rien au final. C'est, si tu veux, là, pour ce que je prévois, je prévois des soirées communauté, tu vois, genre où on arrive à faire des soirées en vocal, où on puisse jouer au loup-garou, des soirées jeux de rôle, voilà, des soirées jeux en ligne. Voire même si à la fin, on pourrait pas monter une petite équipe... sur Heroes of Storm ou des trucs comme ça. C'est ce que je voulais faire à l'époque. Et bon, après tout ça prend du temps, hein. C'est ça qui est le plus compliqué en fait. C'est tout ça prend du temps et il faut du monde autour qui soit concerné, quoi. Donc c'est pour ça. C'est pour ça, on va essayer de voir. Petit à petit. Headshot. Aïe. Blow, Michael Bay explosion. Oh, y en a avec des gutlings, mais laisse tomber. À chaque fois, j'ai ma vie, elle fait vip. Qu'on touche pas Maître Palpatine, hein. Faudra qu'on me passe dessus avant, quoi. Et je t'ai enlevé, t'es plus inquisiteur sur le Discord. Je t'ai mis autre chose. Oh putain. Je m'attendais pas à voir le mecha... Voilà, la première fois j'avais pas ça. Là c'est très bien. Ah, alors si en plus il m'esquive. Cours Gérard. Ouais, je douille. Faut que je sorte de là. Sors, y'a plus le temps, sors. Putain, y'a plus de bazooka. Yes. Ça c'est fait. Oui, t'es toujours modo, bien sûr.
sur le Twitch et sur le Discord. Toujours, toujours, toujours. On change pas l'équipe qui gagne. Cours, Rudolph, cours. Ah, les mecs, ils ont tous des mechas, il y a que des robots partout, et moi j'ai rien, quoi. J'ai un couteau et ma bite. Et remate. Ouais, 20 kilos. Alors soit dit en passant, messieurs dames, il y a Sansa qui a été un généreux donateur une fois de plus et je l'en remercie beaucoup, qui m'a offert Titanfall 2. Donc après Alien Rage, on continuera dans la série des FPS et on partira avoir des mechas et faire carnage sur l'aventure principale du jeu. Le multi m'intéresse pas trop. Mais m'appelle pas en gros, s'il te plaît. Mais je t'appelle pas en gros. Donc ouais, on partira sur Titanfall 2, que j'ai hâte de faire. En plus, c'est bien, parce qu'il y a une campagne principale. Je sais même plus s'il y avait une campagne dans le 1. C'était pas aussi marqué que là, apparemment. Là, j'ai vu qu'apparemment, il y a un tutoriel et tout. J'avais commencé à regarder sans la dernière fois jouer, mais j'ai pas voulu continuer pour pas me spoiler. Parce qu'à ce qui paraît, la campagne est quand même pas dégueu, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal. Et coucou Firewolf, comment va? Alors, bien la journée, mec. Matt, en gros. Mais non, mais... Attends, le mec cherche la merde. Oh, vas-y, tu cherches la merde. Ah, putain. J'ai plus de balles. Il me reste que le bazooka et mon kiki. Ouais, la campagne est pas dégueu, tu l'as déjà fait, Matt? Putain, il m'a fait peur, je l'avais même pas vu. Fuck! Ah, voilà, c'est le bazooka, c'est sympa, mais. Au corps à corps, ça. C'est un peu trop. Même le personnage, il en a rien à foutre. Ouais, je vais appuyer sur les touches au hasard, on s'en branle. Je crois que j'ai jamais tracé un FPS comme ça, quoi. Jamais, quoi. Tranquille, j'ai acheté des bidons, genre 500 perles à repasser, je vais trouver depuis 3 heures. Oh, c'est sympa, ça. Tu fais des perles à repasser. Genre comme les trucs geeks, là, que tu vois dans les salons de jeux vidéo et tout. C'est sympa, ça. Aïe. Il a fait sauter ma base. Ah. Zing. Encore un ascenseur. Il y a que de ça dans ce jeu. Il y a des ascenseurs partout. Alors oui, ça s'appelle pas, je cite, des trucs geeks, mais des perleurs. Oh, pardon. Oh. Oh. C'est très joli. C'est très beau. Bienvenue dans Destiny. C'est très joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je savais pas que c'était des perleurs, tu vois, autant pour moi. Tu sais, quand on atteint presque les 30 ans... On ne connaît pas tout du monde jeune, tu sais. J'en ai deux ou trois à la maison, moi. J'en ai un de Alucard, de Castlevania Symphony of the Night, et j'en ai un de Golden Axe. J'ai le guerrier au slip bleu, mon héros. J'en avais acheté deux, puis après je me suis dit, oh putain, plus jamais j'en achèterai, c'est trop cher. Ah, attends, des fois les mecs, 15-20 euros quoi, je dis, oh, c'est bon quoi. Après, c'est un méchant endroit pour les exposer ou quoi, tu vois, oui, c'est joli et tout, mais bon, là, moi ils traînent sur une partie de ma biblio, même pas là. Aïe, 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 aïe. Mais c'est bien, mais tu fais ça par quoi? Par passion ou. Où tu te fais ton petit commerce, hein, tu les revends après et tout, quoi. Large open
Tu montreras si t'en fais, tu prendras des photos. Clac clac. Aïe 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 aïe, j'en étais sûr qu'il était à droite. La musique s'emballe et tout, ça me stresse. Alors, ils font souvent le prix là, car c'est des grands genres, 10 000 perles, ça prend une vingtaine d'heures. Après, ouais, c'est vrai, effectivement, tu fais bien de le préciser, ça, par contre. C'est vrai qu'en général, nous, on pourrait se dire, ouais, bof, niveau qualité, c'est pas terrible, pour ce que c'est, ça coûte cher, 20 euros ou quoi. Mais c'est vrai que derrière, on réfléchit pas à la tonne d'heures passées dessus pour la personne. À moins qu'elle ait fait ça, tu peux faire ça avec des grosses machines, hein. Avec des trucs pour te faciliter le travail, genre faire un peu à la chaîne ou quoi. Putain, je douille, je douille. On va se mettre là, je vais attendre comme un gros lâche. Et tu fais ça par passion et tu penses en faire gagner sur tes streams. Oh! Ah, si t'en fais gagner, je viendrai. Je viendrai participer, promis. Comme ça, je pourrais dire ouais. Ça, c'est le truc à perles de Firewall. La classe. Je suis en train de me faire tirer dessus comme une grosse merde. Ah non ! Tu commences mais par des petits. T'as fait quoi ? Qu'as-tu fui ? Déjà, comme personnage ou... Je suis curieux de savoir. Et on dirait que j'ai ouvert la même porte depuis 10 ans. Ah, t'as fait la Triforce, c'est cool. Prends des photos, tu nous envoies sur le Discord. Je veux bien voir la gueule que ça a, quoi. C'est dur à faire. Bon, après, je sais pas si j'aurai la patience d'en faire, moi. Je me vois pas faire ça, quoi. Même si ça peut être cool, mais... Après, je dis ça, mais j'ai bien eu la patience pendant plus de 2 ans, 3 ans pour faire des Warhammer, quoi, donc... les monter, les peindre... les peindre, pardon. Donc, je me dis des fois, putain, Anto, si, la patience, tu l'as, mais... faut trouver le temps pour, quoi. Ah, c'est vrai, putain, à chaque fois, j'en parle, mais j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté les Warhammer. Trop cher. Trop cher. J'ai l'impression d'être un pigeon. Putain, l'impression qu'il réédite en permanence les mêmes codex, les mêmes livres, les figurines. Ça fait depuis 20 ans que c'est les mêmes. Et putain, ils te vendent encore ça dans des anciennes boîtes. Hein, ils te les vendent encore au prix fort, quoi. Tu dis, c'est pas possible, quoi. Faut aller jouer chez un pote les Warhammer. Ben ouais, je sais, mais j'ai pas de pote. Et celui que j'ai de pote qui joue à Warhammer, enfin il joue. Il les peint lui. Il les peint, c'est tout, il fait collection, il joue pas avec. Il veut pas jouer avec. Et c'est le mec, il achète des figurines de Age of Sigmar. Les socles ils sont ronds. Et le mec il fait chier le gérant du magasin pour avoir des socles carrés. Il accepte pas que Games Workshop ait fait des socles ronds, quoi. Alors du coup, il marronne. Il marronne, il dit non. Partie de la secte des socles carrés. Parce que c'est vrai qu'avant, avec les socles carrés, tu pouvais faire des régiments et compagnie. C'était beau à voir. Tout aligné, tout parfait. Hein. Le souci du détail, quoi. Mais c'est vrai que là, avec les socles ronds, c'est quoi? C'est plus des unités, on va dire. C'est plus un petit peu plus bordélique, on va dire. Pour l'empereur! Je suis en train de me faire allumer le troufion. Il est où? Ah, il est en haut! Et bim! Headshot! Allez, bim! Mort aux faux empereurs! Le mec qui arrive au bon moment, quoi! Excellent, quoi! Cette arrivée de Pharaon dans le chat, quoi, mais bravo! Félicitations, quoi! Ah putain! Tu mérites la mort, hérétique! Je te hais!
Ah, lui il croit que je l'ai pas vu quoi. Merci, merci pour ce magicien du direct. On est sur Alien Rage, Pharaon. Au cas où tu découvrirais ce jeu magnifique, au graphisme époustouflant. Pour le coup, c'est vrai, en plus, il est sympa graphiquement quand même le jeu. Pas cracher dessus, hein. Vas-y, 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 je prends. Hop. Oh, ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Mec, sinon, je veux savoir le délire des 1€ pour le Discord. Alors, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Discord, je le coupe à tout et à tout le monde. Et ça sera que les gens qui auront fait un don de au moins 1€ qui pourront accéder au Discord et pourront faire partie de la communauté. La communauté Discord et la communauté de la chaîne, les gens auront accès. Donc, vocal Discord, lecture, écriture, en bref. Et ils pourront participer à tous les événements qu'on va organiser, qui devraient se passer tous les mercredis soirs, et accessoirement à tous les giveaways de la chaîne aussi, qu'on mettra en jeu. Mais en jeu que pour la communauté, pas pour tout et tout le monde. Voilà. Ouais, c'est assez bourrin. Le jeu est assez bourrin. Ah putain, je peux pas la garder. Ah, bon, c'est pas grave, allez. En fait, si tu veux, le jeu est très typé arcade. Il a pas une grosse rejouabilité, sauf si vraiment ton dada, c'est l'arcade. Les environnements et les ennemis sont assez redondants et assez ternes. Tu vois, les ennemis, des fois, t'arrives pas à les différencier, quoi. En fait, c'est de l'Unreal Engine 3, mais basique. Tu vois ce que je veux te dire, tu le vois, quoi. C'est même pas du Gears of War, quoi. Ah, putain! Il est chiant, lui. Et c'est pareil, les ennemis, c'est quasiment toujours les mêmes. Par contre, voilà, ouais, c'est très nerveux, ça pète de tous les côtés, c'est très arcade, quoi. Je sais plus qui c'est la dernière fois qui m'avait dit, ça ressemble beaucoup à Bullet Rage, ou je sais plus quel jeu, là. Touk. Ouais, c'est juste des cibles, c'est ça. Bah au pire, tu fais un truc plus équitable, tu fais des canons vocaux et écris PV pour la commu. Ouais, mais je sais pas, je vais voir. Je vais voir sincèrement, là déjà, voilà, je pars de ce principe-là. On verra qui adhère pas. Bulletstorm, merci Matt. Effectivement, j'ai dit quoi? J'ai dit Bullet Rage. Je sais plus. J'invente des noms de merde. Can you restart them? Not. Reddit Bulletstorm. Yes. Tu sens que le personnage il court avec une grosse armure. Je paye en perleur, ça passe. Allez, vas-y, jure. Pas de soucis, hein. Mais toi, ça fait depuis longtemps que tu y es dans le Discord. Techniquement, t'as rien à payer, toi. Je l'ai dit, pour tous ceux qui sont là depuis le début, ils ont rien à payer. Ça sera vraiment pour les prochains, s'ils désirent rejoindre et faire partie de la communauté. Après, comme je te dis, derrière, normalement, ça devrait servir aussi à financer tout ce qui est giveaway et compagnie, quoi. Donc, ça va servir à financer les giveaways, les jeux que je vous montrerai en stream. Et si après ça part vraiment dans l'excès et on arrive à avoir quand même pas mal, après par contre, ouais, ça sera matériel stream et peut-être des concours un peu plus gros. Ça, on va voir, mais c'est pas encore gagné. On va démarrer tranquille. Tu veux pas que je te paye, moi qui remplissais le chèque? Si tu veux. Tu peux être contributeur Tipeee. Et le dernier palier Tipeee, c'est tu es démon. Et il faut que tu payes 666€. Voilà. Alors on va voir si tu es vraiment un métalleux ou pas, quoi. Ah, mais je suis métalleux, y a pas de palier pour moi. Mais si, regarde, tu as le palier démon pour toi, yes. Ah, putain, t'imagines le mec qui arrive et qui paye 666€ comme ça, bam. Alors je pense plutôt que l'accès au giveaway est réservé à la communauté. Oui, mais c'est ça. C'est prévu pour. C'est prévu uniquement pour la communauté. Tu fais partie de la commu, tu fais partie du Discord et tout. Tu as le droit de participer au concours giveaway. Sinon, c'est négatif. Parce que si tu veux, ça aussi, je m'étais posé la question vite fait. 666 centimes. Je m'étais posé la question avec Matt, parce que Matt m'a fourni des clés aussi dernièrement de jeu. Il m'a dit, ben voilà, si tu t'en fais ce que tu veux, si tu veux les faire gagner ou quoi.
Et je me sentais pas en fait de mettre un concours en ligne pour que les gens viennent, follow, prennent le concours et se tirent après. Il y a une follow, tu vois, et ça me gave. J'aime pas, ça fait genre. Je t'offre un truc et après tu dégages. Non. C'est. Voilà, si je t'offre un truc aussi, c'est pour qu'on puisse partager quelque chose. Voilà. Autant offrir des choses aux gens qui sont là, quoi, tout le temps. Et salut Mathieu77. Tu sais que j'ai cru que en fait Matt Grolet c'était Mathieu77 au début. Je me suis dit en fait le mec il me fait une blague encore une fois de plus. Il me troll. Donc je pensais pas. T'as deux Mathieu sur mon live. Qu'est-ce que je suis chanceux. Oula. Ça pète partout. Putain, j'ai déjà plus de munitions avec. Alors je sais pas sur quoi il faut que je tire. Oh là. Oula. Deux, c'est trop. Déjà que c'est compliqué à gérer. Alors t'imagines deux, quoi. Oh là là. Putain, j'ai tellement l'impression que le robot, il en a rien à branler de moi. Ah non. Il me court dessus. Ah. Tu vois, là, ce qui aurait été classe, c'est qu'on retrouve le mecha qu'on a lâché lors de la dernière session de jeu. J'ai eu droit à un mecha. J'ai eu carrément droit à un mecha, un peu comme ça. Et on a fait carnage sur la map. Bio. Aïe, je veux pas mourir. Tu vois, c'est dommage parce que cette zone, putain. Ah, mais voilà. Voilà ce que je peux faire. Attends. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il prend feu, le robot. Aïe. Oh, mais jamais il meurt. Viens, Kiki. Aïe. Allez, on y est presque, c'est bon, ça y est, c'est fait. Demande à Elon Musk. Arrête, tu es hypé à mort. S'il le fait, il se gave. Mais j'ai l'impression que ce mec, tout le monde essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, alors qu'il a des idées révolutionnaires, quoi, à la Stark Industries. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai l'impression que tout le monde veut le charrier, veut se foutre de sa gueule. Après, c'est peut-être aussi le fait que... Il veut se rendre peut-être trop accessible auprès du grand public. Et c'est peut-être ça qui risque de le tuer au bout d'un moment, je pense. Putain, moi, un Gundam dans mon garage devient ouf. Quoi ? Qui a mis un Gundam dans mon garage ? Qui a mis un Gundam dans mon hangar ? Ah, putain. C'était vidéo, quoi, mais... c'est le top. Ah ouais, mais... Je sais pas comment ça se fait, mais... Alors, est-ce que je peux passer par là? Non, je peux pas passer par là. Oui, les bruits de découvrage, clairement. Puis t'imagines, le mec, c'est un scientifique, etc. Le mec, il a des idées de ouf, il dort sur un canapé. C'est ouf, quoi. Le mec, il est actif H24. Le souci, c'est qu'un jour, il va vraiment rater et ça va la foutre mal. Il y a des chances. Entrer dans le vaisseau mère, hein. D'accord. Bon, on est pas loin de la fin, je suppose. Ou les élites. Alors Fred, je sais pas si t'as vu, j'ai pu tester le Walking Dead de Overkill. C'est assez spécial. Le seul truc à prendre en compte dans le jeu, c'est la composante du bruit que tu fais. Donc en permanence, faut être plus en arme de mêlée qu'en arme de... Qu'en fusil d'assaut ou quoi, tu vois. Et c'est bien parce que ça respecte vraiment l'univers Walking Dead. T'as une composante vraiment qui va être action, tu vas pas t'arrêter de tirer dans tous les sens et tout. Et une autre composante où tu vas vraiment pouvoir te la jouer à infiltration à la bien. Et j'ai trouvé ça très correct. C'est vraiment intéressant. Oh, c'est quoi ce fusil? Ça a l'air cool. Ça, ouais, franchement j'ai été étonné.
J'ai été étonné, et même en multi, alors des fois, bon, ça marche pas du tout, parce que les mecs sont cons comme des balais. Les mecs, il y a des hordes de zombies qui traînent un peu, tu sais, à droite à gauche, et les mecs sont là, et tu dis non, mais mec, le but, c'est pas de se faire remarquer, justement, quoi. Alors, faut faire attention aussi aux pièges sonores qui sont posés au sol, genre les bouteilles ou quoi. Faut pas faire de bruit. Il y a vraiment pas mal de trucs qui sont sympas. Et comme Payday 2, t'as des missions. Par exemple, tu vois, dans Left 4 Dead, t'as mission 1, mission 2, mission 3. Donc ça se suit de A à Z jusqu'à la fin. Et là, en fait, t'as des missions d'histoire, t'as des missions secondaires. Et t'as des missions totalement aléatoires, quoi. Où il faut récupérer des survivants, aller récupérer des ressources. Et c'est pas forcément des missions, voilà, comme Left 4 Dead où ça va être tout le temps la même chose. Et encore, même là, ils se sont démerdés pour changer la donne dans chaque niveau. Par exemple, à un moment, t'arrives devant une porte. On te dit, ben voilà, pour ouvrir cette porte, il te faut 5 fusibles à trouver un peu aux alentours. Tu dis, ok. Tu termines le level, tu dis, ah ben tu sais quoi, je vais me le refaire avec mes potes. Tu reviens devant cette porte, et là tu dis, mais merde! Il faut plus les fusibles pour ouvrir la porte. Il faut reconstruire tout un mécanisme, donc avec des rouages, des trucs comme ça, pour pouvoir ouvrir la porte. Et du coup, voilà, ça change un peu la donne et ça change un peu les objectifs. Et ça, c'est super sympa, quoi. Alien Rage. Donc voilà, le jeu est assez prometteur et puis en plus, il est pas dégueulasse. Il est fait avec l'Unreal Engine aussi. Et il est plutôt pas mal, quoi. J'ai très surpris. Très surpris. Donc c'est pour ça, je me tâte, là j'avais payé 1 € et quelques vite fait pour pouvoir jouer à la bêta fermée là. Je crois qu'elle est disponible jusqu'à ce soir malheureusement. Et le jeu sort le 6 ou le 10 novembre je crois. Quasiment en même temps que Fallout. Donc je me tâte. Je me tâte encore, je sais pas. Mais en tout cas c'est assez prometteur. Si Overkill fait pas mal de DLC, de contenu supplémentaire comme ils ont fait pour Payday et Payday 2, je pense que franchement ça va être peut-être un des meilleurs jeux Walking Dead qui soit sorti. Voilà. Oh, le fusil est pas mal. Le fusil est sympa. Après voilà, Walking Dead, la licence, pas la série télé. La série télé qui est en train de flopper. Apparemment, la saison 9 a fait un démarrage de merde et les audiences continuent de chuter, mais à bloc, quoi. Et ouais, j'ai vu ça pour Elon Musk et Fortnite. C'est rigolo. C'est rigolo. Le mec a dit, ah, c'est de la merde. Faut supprimer ça, quoi. Putain, quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, bravo. Qu'on élise cet homme au poste de président, s'il vous plaît, quoi. Putain, t'imagines? Après les élections, Trump est destitué et Elon Musk arrive au pouvoir, quoi. Oh putain, quoi. Le mec qui arrive à la Maison Blanche en Gundam. En vaisseau mère extraterrestre, quoi. Et bim, par la même occasion, divulgation extraterrestre, quoi. Tu apprends qu'il y a, il y a 10 races d'aliens sur Terre depuis déjà plus de 30 ans. Il y a des Gundam partout. De toute façon, quand tu vois Trump déjà qui te dit ouais, on va faire une force spatiale américaine, tu te dis bon, ok, ça va, ça laisse présager du bon, quoi. Ah ouais, ça, mais ça serait la folie. Ça serait juste la folie. Putain, il y a des tourelles, il y a tout. Je me fais shooter de partout. Ah les gars, non. Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Et voilà, je suis mort. Putain, fais chier. Ouais, le mec utiliserait des solutions efficaces et claires, c'est comme tu disais tout à l'heure, il est pragmatique, quoi, donc bam bam, il cherche pas à comprendre. Oh, il se passe ça? Ok, ouais, on fait ça, boum. Parce que c'est vrai que là, actuellement, on réfléchit trop pour pas un sou, et voilà où ça nous mène de trop réfléchir, quoi, franchement. Après, on va pas discuter d'une ligne politique ici, là, tu sais très bien ce que j'en pense. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Ah! Donc ouais, effectivement, voilà, il faut faire comme Matt, il faut pas réfléchir, faut foncer dans le tas pour la horde. C'est le délire, quoi.
Donc ouais, j'ai hâte de voir le Walking Dead plus en détail. Je me tâte, je me tâte. En tout cas, un premier avis bien, correct. J'aimerais... Oh, je me la suis pris plein poué, quoi. T'en chies à Destiny 2, sérieux? Putain, Destiny 2, franchement, jusqu'à la fin, j'ai roulé sur le jeu, quoi. Je me suis servi... Bon, après, j'ai joué j'ai joué pas mal en coop et tout. Parce que, bon, après, t'as des raids, des missions à faire en coop et tout, mais... Moi, par contre, c'est le solo qui m'a gonflé. Encore une fois, tu vois, je m'attendais à quelque chose vraiment d'intéressant. Et franchement, je me suis encore emmerdé, quoi. Je suis arrivé à la fin, j'ai dit bon, ok. Voilà. Même le boss de fin, je l'ai trouvé un peu je l'ai trouvé un peu moisi, quoi. Le boss de fin, franchement, c'est le truc le plus easy que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Je m'attendais à un truc, mais tellement dur. Et au final, non, absolument pas, quoi. Ah! Je t'avais pas vu! Predator, il y en a plus, il y en a encore. Enfin d'ailleurs, je suis toujours pas allé voir Predator. D'ailleurs, vous avez vu les premières critiques ou pas? J'ai pas eu l'occasion de voir les critiques ou de lire. Parlant des vaisseaux, vous construisez quel type de vaisseau? Guerre, commerce. Quoi? Vous construirez, pardon. Mais construire en quoi? Dans la vie réelle? C'est de ça que tu parles? Je réfléchis pas, je construis une étoile de la mort. Dites-moi où se cache la base rebelle, princesse. Je ne vous le dirai pas. Vous êtes un méchant. La guerre, ça sert à rien, on a déjà les armes nucléaires. Et ouais, arme de dissuasion massive. Oh, je canarde. Pouf. On va attendre 5 secondes parce que... Commerce, ça irait pas forcément plus vite et ça serait plus rentable. Mouais. Firewolf qui dit exploration, guerre. Pour explorer en toute sécurité. Ah, ouais, il faudrait une force d'exploration, mais voilà, accompagné quand même, tu vois, de soldats aguerris, d'élite, un peu, tu vois, comme dans Stargate, quoi. Des mecs qui partent à la découverte de différentes planètes, mais, ou alors que ça soit vraiment une équipe, comme ça, tu vois, qui parcourt, en bref, il faudrait que ça soit Stargate, mais... Parce que c'est vrai, si tu regardes bien, le mélange marche bien, tu prends un bon scientifique... Tu prends un des meilleurs soldats qui ait jamais existé. Voilà quoi. C'est vrai que l'alliance du truc marche bien quoi. Franchement, c'est un des groupes les plus cohérents que j'ai jamais vu quoi. Donc ça marchait plutôt bien la télé aussi. Un vaisseau à la gloire de l'empereur pour poutrer les gogoles du chaos quoi. Eh mais t'as vu que. Est-ce que t'as déjà vu sur internet la taille des vaisseaux? La taille des vaisseaux, genre Star Wars, Star Trek, Stargate et tout, c'est Warhammer 40K qui possède les plus grands vaisseaux au monde qui existent, tout univers confondu. C'est violent. C'est des citadelles, c'est des églises. C'est comme si t'avais Notre-Dame de Paris, mais genre en 10 exemplaires, tout accordé qui se baladait dans l'espace, tu vois. C'est des bâtiments, quoi, mais qui possèdent des chapitres complets de Space Marines, quoi. Plus les technogures, plus les machines, plus les bâtiments de guerre. Enfin, tout ce qui est véhicule de guerre, les rhinos et compagnie. Les unités aéroportées aussi. Enfin, laisse tomber, quoi. C'est violent. Alors oui et non. Pourquoi oui et non? Explique. Dis-nous tout, Pharaon. Putain, les mecs, ils croient vraiment que je les vois pas en étant invisible. Bon, c'est vrai que parfois je les vois pas, je les rate, mais... Oula, il y a de l'eau par terre, j'ai pas confiance. Putain, il m'a fait peur.
font des expériences sur des soldats. Elle est classe son armure. Crysis avait les mêmes graphismes à l'époque avec le CryEngine. Ou c'était moins. Putain, il faudrait que je me le refasse, Crysis premier du nom, quoi. Qu'est-ce qu'il était beau! Qu'est-ce qu'il était bon! Alors on explore déjà avec les satellites, oui c'est vrai. Alors moi je pense qu'il y a déjà des bataillons d'exploration dans l'espace, mais que cela nous est caché par le gouvernement, quoi. Ah, je sais, pas impossible. C'est pas impossible, quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Trump serait le président. Comment ça s'appelle, qui ferait partie de la divulgation extraterrestre et justement de ce qui se passe un peu là-haut, quoi. Et puis au final, pour l'instant, il y a rien qui sort. C'est très léger. Dans les réseaux conspirationnistes, quoi, il y a des petits trucs qui sortent, mais bon, c'est toujours pareil, si tu sais pas si c'est réellement du fake ou pas, c'est de la désinformation exprès, ou... Mais en ce moment, je sais que ça parlait pas mal de Vortex, et de possibilité de, comment ça s'appelle, de switcher d'univers, effectivement. C'est, ça rejoint ce que tu disais, enfin, quoi. Ah, on explore surtout avec les télescopes, ouais. Je sais pas, sincèrement, moi je suis assez partagé sur tout ça, tu vois. Et encore, avec la majorité des vidéos et des trucs que j'ai lus, je suis même pas sûr que le jour où il y a une divulgation extraterrestre, quoi, ça soit pas du fake, tu vois. À quel point tu deviens parano à la fin, quoi. Je sais pas si justement c'est pas fait exprès pour orchestrer l'avènement vraiment de ce nouvel ordre mondial, histoire que tout le monde la ferme et soit sous une seule et même bannière, tu vois. Après, être bien contrôlé et bien docile face à une menace extérieure. C'est ce dont parlait Kennedy, le père Bush, quoi. Ça marche, Christopher, à de suite. Ah, putain, fais chier. Ça marche, Matt. Ciao, ciao. Profite bien. Un bisou à la famille. Ah, putain, mais c'est pas possible. Tu veux investir, on n'a pas les moyens, hein. Pour trouver quoi, mon 3D? Ah. Ben, par contre, j'ai pas de... Ouais, non, mais là, ça le fait pas. J'ai plus de munitions, j'ai plus rien, quoi. C'est pas sérieux, là. Je suis obligé de détruire les tourelles. Oh, petit pistolet. C'est une blague. Non. Oh, oh putain! Comme il est parti dans les airs! Oui! Ah voilà! Voilà, là c'est mieux! Alors j'arrête à quelques minutes de vous lire un petit peu, j'essaye d'avancer dans l'FPS parce que sinon. Allez. Lui, son armure, elle est classe, mais il me fait des dégâts de ouf. Faut que je dégage. Putain, j'ai failli crever, là. Fairoff qui dit, on a une chose ou aucune info sur une nation qui pensait pour voyager. Non. Ça, c'est vrai qu'on a aucune info. On verra bien. Seul le temps. Je sais même pas si on sera réellement la génération de la révélation. À supposer qu'il y ait une révélation à faire. Mais c'est vrai que j'aimerais être cette génération. Ce qu'ont connu peut-être nos parents et nos grands-parents, l'alunissage de la lune, les trucs comme ça. J'aurais aimé vivre un jour comme ça, fatidique. Enfin, quoi qu'on a vécu le 11 septembre, et tu me diras. Et beaucoup plus après. Mais bon, le Bataclan, etc. Charlie Hebdo, tout ça, quoi. C'est en soi, c'est des événements. Hein. C'est des événements importants.
reste du monde. Mais bon, je préférais quand même des trucs qui m'éveillent un peu plus, genre la Star Trek et tout. Ben voilà, à partir de telle date, l'humanité a connu ça et voilà, plus de guerre, plus rien parce que tac tac tac. Dans Star Trek, il n'y a plus de guerre entre les hommes sur Terre parce qu'ils ont trouvé le moyen de, comment ça s'appelle, de pallier au manque de ressources et au manque d'eau. Ils ont une sorte de machine qui ressemble à comment on appelle ça, à une imprimante 3D, on va dire ça comme ça, et qui est capable de tout matérialiser. Que ça soit la nourriture, comment ça va elle, hein. Par exemple, j'en sais rien, tu veux une guitare, le machin il te matérialise une guitare. Même si c'est pas le premier souhait que l'humanité, voilà. Mais c'est capable de tout matérialiser. Alors pas les corps humains, mais ça je crois que c'est dans justement leur VR, leur salle de VR. Alors ça aussi c'est pas mal, ça leur permet de s'entraîner, d'avoir des professeurs à disposition et plein de choses comme ça, quoi. On démarre à peine à réfléchir dessus depuis qu'on a trouvé l'existence de l'antimatière. Ah, les voyages extra-dimensionnels, ouais. Et mais je me demande, tu sais, je me demande si ça n'a pas déjà été tenté ou quoi. Hein. Parce que franchement, le coup de la spirale en Norvège et les trucs comme ça, franchement, j'ai du mal à croire que ça soit un tir de missile défectueux ou... C'est franchement, cette espèce de gros portail qui s'ouvre d'un coup comme ça, il y a... Enfin voilà quoi, en plus il n'y a pas qu'en Norvège où ça s'est passé quoi. Ça ressemble vraiment à des ouvertures de trous de verre, de trucs comme ça quoi. Donc je sais pas, franchement, il y a tellement de conspirations, de trucs comme ça qui tournent, tu sais plus quoi croire, quoi faire, c'est... Objectif, trouver le pont du vaisseau mère Vorus. Vorus qui sont les ennemis du jeu. Après voilà, à voir comment l'être humain a façonné la science de demain. Ça c'est super intéressant à voir aussi quoi, parce que... Alors au final tu te dis, mais putain, est-ce que... Si on est vraiment seul dans l'univers, à supposer que ça soit le cas, est-ce que en fait l'être humain va pas finir par façonner lui-même une autre vie pour justement... s'inventer un délire comme ça, extraplanétaire, etc. Ça serait mais tellement ouf. Tellement ouf, tu vois, ça aussi, ça pourrait très bien être un plan de conspiration à la con. Ça serait ultra violent, quoi. Oh, putain, les mecs, ils rigolent pas dans le vaisseau, là. Ouais, voilà, armes égales. Oh, ils sont super chauds à vaincre. Ouf. Putain. Yes, headshot. Eh, hey, y'en a plus! J'ai pas respiré pendant 5 minutes quoi! You know? La folie quoi! L'arme est sympa! Franchement, les armes sont cool dans le jeu! Elles sont assez variées! Et assez pour être intéressantes en plus! Pshhh. J'ai même pas vu arriver! Ça c'était bien qu'ils se mettent en plein milieu comme ça. Ça fait du bien à tout le monde. Hop. Headshot streak. On est pas mal là, on est bien. On est sur la fin, ça se sent. Ça se sent au niveau des ennemis là. Oh putain, ça va arriver de tous les côtés là. Ah, il faut que je bouge là.
Wouh, même bonus. C'est la folie, c'est trop bien. Ah non! Tristesse et boule de gomme. Non, sérieux, quoi. Putain, je suis mort comme de la merde. Ah, je suis déçu, j'étais dans le move et tout, là. J'étais tellement bien. Tellement en connexion avec mon clavier et ma souris. Putain, je suis déçu. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Et de deux. Ça y est, là, c'est l'heure. C'est l'heure où plus rien ne va. C'est l'heure où je prends cher aux fesses. C'est l'heure du crime. Putain. Allez vite, bouge, 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 bouge. Oh. Et deux, trois. Je m'arrête plus de crever, bordel. Je savais qu'il y aurait de la résistance à la fin du jeu. Je le savais. Hein. Il va falloir que j'aille me cacher quelque part. Vite, va te cacher. Va te cacher. Aïe, aïe, aïe. Non. Ah, je me fais gangbang, mais d'une force. Ricola, Ricola. Allez. Bon, où est-ce que je vais pouvoir aller me cacher comme elle lâche? Non, pas là. Voilà, dans le coin. C'est très bien dans le coin, là. Oui. Plac. Yes. Ah, le headshot aussi marche sur le guerrier d'élite. Je ne savais pas. Je m'en excuse. Je n'étais point au courant. Voilà qui va ravir les petits comme les grands. Aïe. Ça marche, mec. Bon appétit à toi et merci d'être passé. Ciao, ciao. Recule. Vite, vite, grimpe, 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 grimpe. Hop, ninja. Les gars, respectez-vous un peu. Et arrêtez de me viser, quoi. Mac, Mac Brack. Ouvre-toi, porte. Je te l'ordonne. Oh, ça sent le boss final, non? Temps de réaction, zéro, quoi. Aïe, aïe. C'est heureusement qu'il tire dans la tête, parce que... A mon avis, je vais mourir. C'est parti. Ah, quoique. Aïe. Putain, je suis derrière le mur, il m'a chopé quand même avec l'explosion, quoi. C'est scandaleux. Vous osez toucher à ma personne, je suis sacré. Aïe. Vite, cache-toi.
clac, 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 clac. C'est pas le moment pour recharger. Il est... Ah. Recule. Et encore. Oh, je suis mauvais tireur. Headshot streak. Headshot. Se soigner. Iris, I have eyes on the bridge. Great. You need to get me access to the navigational controls and I'll do the rest. Ah ben voilà, on est sur le pont principal. Nya nya nya. Désactiver les commandes du vaisseau. Headshot streak. Headshot streak. Headshot strike. Aïe. Non, non, non. Aïe, aïe. Voilà, sage les gars. Vous apprendra. Oh, l'arme a l'air jolie. C'est quoi ça? How does this work? Oh, fuck it. Il est aussi compréhensif que moi, le personnage. Comment ça marche, clac, clac? À dégager. Voilà. Perfect. Oula, recule, 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 recule. Ben, parfois, les ennemis se fondent dans le décor. Je pense que c'est fait exprès aussi. Court bien vite. Plac, plac, plac. Il va falloir détruire tous les panneaux de commande. Je pense qu'en fait ça va être étape par étape. Aïe. GG, hein. GG moi. Aïe, je le sens mal, je le sens mal. Ah, c'est un, j'ai les glandes. J'ai les glandes là. Oh. Arrête de bouger. On va faire le mec qui comprend rien au jeu. Putain, je sens qu'il va y avoir 20 milliards d'ennemis. Ça va être un carnage. Je vais me remettre en haut, je vais tous les aligner. Petit, 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 petit. Clac, 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 clac. Voilà, 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 voilà. Ne soyez pas triste. Ça fait plus mal à moi qu'à vous. On est bon là, non?
Headshot streak. Allez. Plus qu'une après en haut. Merde. Je vais morfler. Si j'arrive à rester caché assez longtemps, ça devrait le faire. Yes. Ça le fait. Ça le fait grave. Putain, j'ai arnaqué le jeu quoi, mais bien quoi. Bien bien comme il faut. Alors c'est quoi, je peux pas me mettre à l'intérieur du fauteuil? C'est pas l'objectif. Qu'est-ce qui se passe? Y a rien d'autre là. Il a bugué le jeu ou... Ah non putain, il a l'objectif. Unlocked. Iris, do your thing. One ticket straight to hell, coming right up. Trajectory set. Took some wrestling with the ship's AI, but this baby is headed straight down. Show me the way to the core, Big Mama. You can use the service tunnels, that's fastest. Only the entrance has mag locks, so you'll have to find and shut down four independent generators to pry it open. Allez, dernière ligne droite, j'ai l'impression. Un beau noyau. Le noyau du vaisseau d'air. C'est bon, ça pète partout, ça. Ça, c'est un vrai FPS, ça. Un vrai FPS payé à moins de 2€ quoi. Putain quoi. J'ai passé plus de temps là-dessus que sur Assassin's Creed Odyssey quoi. Sans déconner quoi. C'est une honte. Cent fois plus de plaisir qu'avec l'autre Dobas là. Putain. Il faut faire quoi? Toutes les casser? Comme d'habitude, on casse tout. C'est ça la solution? Mais on vient pas de la casser. Le noyau il prend un coup. Hein? One more. Done. Time to play tunnel ride again. Faut aller où? Faut reprendre l'ascenseur? Non, faut pas reprendre l'ascenseur. Faut partir par là. Ah ouais, carrément dans les tuyaux d'évacuation, c'est ça? Ouvre le tunnel. Oh putain! Oula, doucement, 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 doucement. We win against planetary drug lords, but this is new. Ah, les salopards! Ça, j'ai failli me faire avoir. C'est sympa ça. L'environnement est super cool, visuellement quoi. Double kill. Double kill. Aïe. Putain, j'étais même pas là qui s'excitait déjà quoi, les PNJ quoi. Enfin, les PNJ, les mobs. Les bourrus. Comme d'habitude, non? Ouais. On est pas mal là. Là, on est plutôt bien. On est à l'abri là.
Pardon. J'aime bien le générateur qu'ils ont à chaque fois là pour pouvoir paralyser les ennemis. C'est cool. L'arme est bien, je devrais m'en servir mais je le fais pas. J'ai tellement peur qu'il y ait un boss qui arrive après que je préfère tout garder quoi. J'ai dû utiliser l'arme. Oh non, les gars, sérieux? Oh la rage! Putain, ça me saoule quoi. Crever comme ça là? En plus, là, je t'arrive à le tuer l'autre. 50 000 et quelques? Pas tous les jours? Popez pas à côté de moi. Sérieusement quoi. Ah non non, le jeu il veut vraiment faire popper à côté de moi quoi. Ça a l'air joli. Mais ça a l'air joli tout ça. Ça sent le combat final. On dirait un mec de Gears of War quoi. C'est trop drôle quoi. Je cherche Marcus Fenix. Oula, oula, oula. Que se passe-t-il ? Ah chouette, un mec dans un mecha, ou un extraterrestre dans un mecha, ou un mecha dans un mecha. Et moi j'ai toujours que dalle. Voilà, non. Tout va bien. Oui. Je fais tout sauter, à chaque fois qu'il saute un endroit, je fais tout sauter. Hop. Encore une fois, s'il te plaît. Ah, il m'a grugé. Aïe, aïe. Ah, il faut le shooter derrière. Aïe. Attention à pas marcher là-dessus parce que... Ah, l'enfoiré. Ah, je m'attendais à autre chose. Pas ça quoi.
Putain, c'est chaud ce truc là. Oula, 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 oula. C'est quand même le gosse bien dégueulasse, hein. Putain, je suis mort. Ah, la rage, la rage, la rage. So, you must be the first roadblock. You have a jetpack. Good for you. Wheelie lands and hit him where it hurts. Extrêmement chiant et extrêmement dur. Ça va durer un moment, hein, pour rien. Salut Kidus. Quoi de beau? Quoi de neuf? The game, it's Alien Rage. It's a FPS game. Fast FPS. Ah,
Ah, ah, j'y passerai le bonjour. Putain, je suis encore mort, j'y crois pas, quoi. Non, c'est pas Walking Dead ce soir. Walking Dead, la bêta fermée, bah elle est fermée. Donc, ou alors elle ferme. Elle va fermer ce soir, pour sûr et certain. Gears of War, c'est vite dit. Gears of War, c'était en vue à la troisième personne. Putain, en fait, je devrais le charcuter avec l'autre arme parce que... Ouais, il y avait la bêta. Ils l'ont fait en trois fois, en fait. En trois fois ouverte, enfin en trois fois fermée. À chaque fois c'était sur deux ou trois jours. Là c'était du 19 au 22 pour la dernière session. Et je suis arrivé à récupérer une clé sur un site. Donc ça va, j'ai pu faire 2-3 vidéos dessus, c'était sympa. Donc je sais pas, à mon avis je vais sûrement prendre le jeu. Mais voilà quoi. Ouais, je sais, j'ai bien compris, se mettre à couvert, mais bon. Bon, c'est là que ça va devenir compliqué, quoi. Ouais, c'est sur ma chaîne, ouais. Oh non, pas encore! J'ai fait deux vidéos, tu verras. J'ai fait la majorité des cartes disponibles sur le jeu. Je crois qu'il y en a peut-être une que j'ai pas faite. Et encore, je suis pas sûr. Je crois que je les ai toutes faites. Pas fini en entière. Parce que franchement, c'est assez compliqué des fois. Mais il faut tomber sur un bon groupe. Un groupe qui arrive à jouer ensemble. Putain, même en sautant, tu te prends les dégâts quand même. Et re-Firewolf. T'allais faire tes perles un peu. Tu live pas ce soir? Ce soir je vais aller mater Daredevil. Il y a la saison 3 qui est sortie là. Je crois que c'était hier qu'elle est sortie. Il y aura avant-hier, je sais plus. Oh! T'as mangé quoi? Manger du bon, j'espère. J'espère qu'on te fait bien manger. Non. Ben si. Si. Daredevil saison 3. Si. Ah, le 19 c'est sorti. Ah, j'ai hâte de la regarder. Touk. Aïe. Jack, get the cover. He's feeling the hurt. Put a squeeze on him. Je sens qu'il a mal, ouais. Moi aussi j'ai beaucoup mal en fait depuis le début du jeu, quoi. Putain, mais ils pouvaient pas nous mettre un mecha en fin de jeu comme ça là? Ça aurait tellement été bon. Allez, vite. Régène un peu là, putain. Je vais crever. Ah, ça va. On va passer à l'autre arme. Ah, ta mère a pas vu le temps passer. Ouais, ça arrive souvent. Souvent, c'est comme ça. Wouah, mais merde, putain! C'est pas possible!
Apparemment, il y a une senti... Alors, attends, c'est le robot qui s'appelle Senti... Eh oui, c'est le robot. Putain, j'arrête pas de crever, le boss de fin, quoi. Oh, un flambi. Comme notre ancien président. J'espère qu'il était beau. Putain, j'y crois pas. Tu vas stream Red Dead Redemption 2? Non. Je vais pas stream Red Dead Redemption 2 parce que je le prendrai pas à sa sortie. Je vais attendre que la hype redescende un temps soit peu. Et de toute façon, je suis pas pressé. Je sais très bien que le jeu va être bon. Voilà, je suis pas pressé. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir de suite, tu vois. En plus, j'ai beaucoup de jeux à faire en ce moment. Pas forcément des trucs ultra connus, tu vois, mais. Arrête de me faire rigoler, j'ai failli m'étouffer. Pourquoi? Comment ça, je te fais rire? C'est moi qui te fais rigoler, hein? J'ai une tête à te faire rire. Je suis un clown pour toi. Hop. Je vois. Non, mais j'ai pas de raison de me jeter sur le jeu, parce que... Enfin, tu vois, normalement, ça devrait être le cas de me dire, ah, ben... Le jeu va être énorme, j'ai la hype, je me jette dessus et tout, je vais faire comme tout le monde. Mais franchement, je m'en fous. Je m'en fous, voilà, je le prends dans le temps voulu, quoi. Attends, je vais F5, merci la pub nazie. Ah ouais, bah ça. Ça, tu le sais que ça marche comme ça. Et le pire dans l'histoire, c'est que je touche rien. Je ne touche rien sur ces pubs. C'est ça surtout qui honte. C'est qu'on touche même pas une commission dessus ou un petit bonus. Ah putain, mon vieil. Eh mon vieil! Me casse les couilles! Le robot il m'a mis la balayette! Putain, j'en ai marre, ça fait déjà 4 fois que je crève. Ah, mais moi, Assassin's Creed Odyssey, j'y joue. Parce que bah, je suis fan d'Assassin's Creed, mais franchement, enfin voilà quoi, le jeu me gonfle ouvertement. C'est le jeu me saoule. Je crois que c'est le pire Assassin's Creed que j'ai fait de ma vie quoi. Qu'est-ce que je le kiffe pas Odyssey alors. Et tu stream pas ce soir Firewolf? Tu dois trier des choses pour que demain genre... Ah d'accord, tu dois trier pour demain. Je comprends mon petit, je comprends. Oui, oui, mais j'ai compris que tu triais les perles. J'ai compris que tu parlais pas de ta mère ou d'autre chose. Il malin. Je suis la conversation, hein. Je suis un mec, hein, je peux faire plusieurs choses à la fois. Hein. Oui, j'ai cette capacité. Oh, qu'est-ce que c'est? Wow, un follower! Kidus! Merci mec, merci pour le follow. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce qu'on va arriver à battre ce robot géant? Mais tu me suis sur Twitch là ou sur Mixer? Hein, parce que je vois le logo Mixer apparaître sur le chat, mais je sais pas si c'est vrai. Aïe! En soi, nous faisons millions de choses à la fois. Exact. Toujours. Il y avait de rien. Ah, Mixer. Ok. Pourquoi cette plateforme? Pourquoi Mixer? Et pas Twitch ou une autre? Parce que moi, je découvre Mixer aussi. Je l'ai rajouté pour le rajouter, mais je savais même pas que ça existait il y a encore quelques mois, quoi. Donc... Bouge. Mais je sais, je me mets à couvert. Et en plus, je suis sûr que je rate pas grand chose, tu vois. Ah!
sûr. Franchement, il doit lui rester une transformation ou deux, pas plus, quoi. Ah, Xbox, plus rapide, plus simple pour les utilisateurs Xbox. Ah, je savais pas, d'accord. Là, tu m'apprends quelque chose. D'accord, mixeur est plus facile d'utilisation pour ça, d'accord. J'étais pas au courant du tout. Ah, il me fait chier. C'est vraiment... À chaque fois j'arrive là, je me gourre. À chaque fois je crève. Putain, j'y arrive pas, hein. En fait, j'arrive pas à le contourner. Hein. C'est ça le souci. Voilà, il faut que j'attende qu'il soit comme ça pour pouvoir lui faire des dégâts. C'est ça qui est triste. Tu veux que je t'apprenne quelque chose? Oh oui, vas-y, apprends-moi des choses, s'il te plaît. Voilà, là, les dégâts, ils rentrent, là, tu vois. Les dégâts, ils rentrent bien là-dedans. Putain. Allez, on va y arriver. On peut le faire. Mais ouais, je sais qu'il tourne sur lui-même, je suis au courant. Mais le truc qu'il y a, c'est que... Eh putain ! Ah ! Je sais qu'il tourne sur lui-même, mais... À chaque fois, tu vois, il y a cette espèce d'onde, là. Qui me fait mes max dégâts. Et à chaque fois, je me fais avoir. Bon, normalement, là, je devrais y arriver, là. J'y viens normalement, quoi. Il faut bouger tout le temps, quoi. Ah, c'est chiant. Perte de temps pour rien, là. C'est abusé, hein. Mais ouais, c'est bâtard à bloc. Ah, faut pas s'exciter. Faut garder son calme. Ah, on va finir par y arriver. C'est pas si complexe que ça, quoi. C'est juste plus embêtant qu'autre chose, en fait. C'est... Surtout qu'en fait, à chaque fois, il n'y a pas de checkpoint, il faut tous refrapper. C'est ça qui est chiant. Quoi? Attends, j'ai pas vu. Mais maintenant, tu es au courant que l'instant présent est déjà passé. J'ai pas vu le reste. Putain, allez, vas-y, c'est bon, j'ai compris. Firewolf. Alors, donc tu veux que je t'apprenne quelque chose? Il tombe sur la main, tatatitatata. Maintenant, tu es au courant que l'instant présent est déjà passé. Voilà. Ah bah, le vent, tu es gentil de me répondre. Mais mec, je t'ai répondu, tu me prends pour un con, quoi. Putain, le mec, quoi, mais lol. Le mec, il m'accuse presque à me mettre sur la guillotine, quoi. Aïe. Si je perds par ta faute, je te tue. Je te tue. Ouais, je suis sur PC, Kylus. Yes, oui, sur PC. Je suis sur Atari 2504. Aïe. Cours. Voilà, donc on en arrive au passage que nous aimons tous. Voilà. Coucou. Non, pas l'onde de choc comme ça là. Aïe.
Merde, j'ai pas eu le temps de le choper. Coucou. Ouais, faut arriver à bien gérer. Non, mais tu m'as pas répondu, donc la guillotine sera prête demain. Mais comment ça, je t'ai pas répondu? Quelle question? Repose. Refais péter ta question, mec. J'ai pas eu le temps de te lire. Si je suis en train de jouer en même temps, tu sais, des fois je saute. Donc c'est pour ça. Allez, allez, allez. Ah, presque. Presque, presque, presque. Alors, question, tu veux que je t'apprenne quelque chose? Réponse, ben maintenant tu es au courant que l'instant présent est déjà passé. Oh là là. Je ne répondrai pas à cela, votre honneur. Encore! Putain, mais il a fumé! Oh! J'y crois pas, il lui reste... Oh oui! Oui. Oh. Je l'ai eu! Oui. Qu'il est beau, mon perso! Vite! Enfuis-toi, Jack! C'est le seul passage vers le noyau, vite! Enfin, les cheveux repoussent! Ben, réaction zéro, ben oui, réaction zéro, merci, merci pour le GG. Ben non, mais c'était une blague, Firewolf, j'ai pas compris pour le coup. Non, c'est vrai. Il nous reste un level? Non, c'est pas vrai, hein. C'est pas fini, c'était pas le boss de fin, ça. C'est une blague. Oh non. Check your ammo, tug in those briefs and batter up. Ou alors ça va être le niveau, c'est le boss final. Ben, je t'apprends que... Ouais, c'est assez joli. T'as cut tes dreads, t'es sérieux, quoi? Allez. Ah, tu dois ressembler à... Ben, un mec qui a plus de dread. De faire bizarre. Objective inside. What now? Oula, vous emballez pas. Vous emballez pas. Chacun aura sa part. L'instant présent n'existe pas car il est déjà passé. Ouais. J'arrive toujours pas à comprendre, Firewolf, sincèrement, ça me... Mais mon dieu, mais c'est ignoble! Méga dieu Vorus! Oh, je suis désolé. Yallo le Gambino à Calando, c'est quoi? J'ai pas compris. Oh non. Ben non, je comprends rien, Firewolf. Faudra que tu m'expliques. Je comprends rien, moi. Ah, putain, encore. encore. Fais chier. Objective inside. What now? Even I can't make heads or tails out of it. Just blow it to hell. Je comprends pas, Firewolf. Cherche pas, je... Pour le coup, je comprends pas. You finally adopted a superior methodology. Yeah, well. Whoa. This god looks like something. Est-ce que je sais ce que c'est l'instant présent ou pas? Ben oui, je sais ce que c'est l'instant présent. Et alors? C'est ça que je... Alors j'imagine qu'il faut tirer sur les trucs qui s'allument. What? Ah, il faut lui casser tous ces trucs, c'est ça?
Oh putain, il a chié des bébés. Hein. Des bébés qui explosent. Ok, c'est bon, go go go. L'instant présent n'existe pas car cet instant en soi est déjà passé par le temps. Bah oui, je sais, et alors. C'est ça ta blague? Si c'est ça, c'est vraiment pas très drôle. Mais écoute, je l'accepte. Je t'accepte tel que tu es. Encore! Aïe! Ben non, tu m'apprends rien en fait. C'est juste de la logique ce que tu dis. Y a rien d'extraordinaire. Vite, 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 bouge. Wouah ! Ah, super ! J'ai plus d'armes. Par contre, mec, arrête un peu sur le chat parce que sinon, je cherche même pas à comprendre, quoi. Parce que là, je vois plus que toi, c'est gênant, quoi. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui écrit ou quoi en même temps, c'est un peu con, quoi. Putain. Ah mais d'accord, j'avais pas compris qu'il avait changé de côté, quoi. Elle est où? Ah d'accord. Je douille, mais je douille tellement! Firewolf, tu vas m'obliger! Tu vas te prendre une banne! Attention! Ah, salut Lord Green, comment tu vas, mec? Je prends. Alors ce Disney Studio, il est sorti, il est pas sorti? Ça va mec, tranquille. On est là, on est présent. Présent au poste, capitaine. Ah, c'est mon objectif. C'est mon objectif à moi. Et là, tu vas me ban car je dis bonjour, c'est soit je sais, je suis pas fou. Ah bah si, il y a des chances que je te mette un ban. C'est mal me connaître maintenant. Oh! Sans pitié maintenant. Sans pitié. Tu permettras de te calmer une heure. Après, tu reviendras. Ah, demain il sort et mercredi je tourne au spécial Halloween. Oh cool. Ah ça par contre ça va être bien, tu vas filmer la parade et tout. Tu sais que j'ai jamais vu la parade d'Halloween. C'est bien si tu te balades dans les rues en montrant tout ça, là c'est cool. Ça c'est un truc que j'aimerais bien faire, y aller pendant la saison d'Halloween. Ça doit être vachement sympa à voir quoi. Bon après j'imagine que c'est pas un truc dark etc quoi, mais niveau ambiance ça doit être sympa. Je pense qu'ils doivent bien travailler le délire quoi. Hello. Les sans pitié, c'est une classe de Borderlands 2 quoi.
Ah putain, Firewolf, tu me gonfles. Tu me saoules. Putain, je sais plus quoi dire. Je sais pas comment je fais pour être concentré sur le jeu avec tes conneries, quoi. Oh là là, oh là là. Un épisode un peu plus long. Place faire du 31 car coûte trop cher. Ah ouais? C'est combien la place Oula. Oh, je connais ce jeu, j'ai gratos sur PS3. C'est inséré sur PS3, c'est vrai que c'était à l'époque de la 3.6 et tout, quoi. Voyage dans le temps. Ah, il y avait des DLC sympas. Après, ça a jamais été mon truc, Borderlands, sincèrement. Ça a jamais été mon dada. Je trouvais que c'était un faux plagiat de Fallout, quoi, avec les claptrap et compagnie, là. Ça voulait se donner un genre drôle, alors qu'au final, avec les claptrap, ça l'était pas du tout, quoi. C'était ça avait un humour assez british, mais enfin je sais pas, pourtant j'adore l'humour british, hein, mais voilà quoi, ça m'est un peu... Alors je peux théoriquement te gonfler, mais si je le fais t'es moins pesant ou ton estomac, quoi. Ouais, mais non, non. Putain, il faut pas que je rigole maintenant à tes blagues, parce que sinon tu vas prendre ça pour argent comptant, quoi, et tu vas te mettre à sortir encore plus de blagues de merde. Alors il faut pas que je rigole, faut que j'en reste neutre. Mais non, à chaque fois que tu dis un truc, je ferai... Je ferai mon Christophe Lambert. What? Non, j'ai pas aimé le Borderlands, l'art green. Si tu veux, j'ai bien aimé l'aspect cel shading. Ça, c'était super intéressant. Et puis assez novateur pour un FPS comme ça à l'époque et tout. Mais... voilà, côté scénario, côté question RPG comme ça, là, j'étais vraiment pas fan. Vraiment pas, quoi. Je trouvais que ça pompait un peu trop de code à Fallout et à Mad Max. Et enfin, voilà, quoi, c'est pas... Voilà, quoi. Après, t'as des licences comme ça, hein, que, auxquelles t'accroches pas, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a le... C'est quand qu'il sort Rage 2 ? Parce qu'il avait l'air, intéressant graphiquement et c'est sur pas mal de points de gameplay et tout, il avait l'air cool. Bethesda là qui avait montré ça. Ah, j'attends tellement le prochain Doom aussi. Voilà, là, là, là. Voilà, je suis content car le net est inexistant, cet instant présent, car la définition du net. Ouais, Rage 2, ouais. Je sais pas la date de sortie, il faudrait que je regarde. Parce que ça, tu vois, c'est le truc, maintenant, tout de suite, à l'heure actuelle, je suis pas hypé. Mais je pense que quand il va sortir, je vais peut-être me laisser tenter. Oula, plein de trucs qui explosent autour de moi. Ah, Doom 2, j'ai hâte. J'ai tellement hâte, quoi. Les cinématiques de gameplay, même si elles m'ont un tout petit peu refroidi, juste pour retrouver, tu vois, l'ambiance métal... Brutal Death et tout là, je surkiffe tellement, quoi. C'est le genre de jeu, tu joues, tu te sens mais surpuissant, tu frappes tout ce qui bouge, tu arraches des têtes, tu tires sur tout le monde, c'est la folie. Meurtre, carnage, c'est trop bon, quoi. Avec du bon gros métal en fond. Hop. Le pauvre, il m'avait rien fait, quoi. Alors je rage, alors j'ai rage, mais je l'ai pas commencé car quand je te vois rager sur Alien Rage, ça m'attente moins. Tu as utilisé le mot rage 1, 2, 3 fois. Bravo. Combo. Multifrag. Putain, heureusement que sur les règles du chat, j'avais marqué discussion pertinente, quoi, pour le chat. Mais c'est pas le cas, putain. Ce soir, Firewolf, tu relèves le niveau. Je te dis bravo. Je te décerne la médaille du troll. C'est la première règle, normalement, c'est Don't Feed the Troll. Donc normalement, je devrais même pas te répondre. What do you think? GG, bravo à toi, alors. Ah, ah, secours, au secours. Putain, ça y est, le jeu, il s'emballe. Respect, calme, discussion... Ah, tu vois, discussion pertinente. Il y a marqué discussion...
mission pertinente. Donc voilà. Ah putain, y'a tout qui pète. Je tire sur tout ce qui bouge, même sur tout ce qui bouge pas, les murs et tout. Hop. Je vais finir par mourir. Je vais finir par mourir. Oh là là. Putain, mais il y a des mecs avec des sulfateuses partout quoi. Oh non. Putain, j'avais tué tout le monde. J'avais tué tout le monde. Bah, si tu t'amuses, c'est le principal. C'est ce qu'il faut. Aïe. Putain, les gars, je prends trop cher. Oh. Ça y est. Si t'avais tué tout le monde, comment t'es mort? Putain, il en rajoute une couche, lui. Bon, je go, je vais voir ta chaîne. Ça dit, je diffuse R2 le 26 à 1500 heures. Ah, à 1500 heures, bah, je serai à l'heure. T'inquiète pas, écoute. Si tu diffuses Red Dead Redemption à 1500 heures, bah écoute, parfait. Ouais, j'ai compris, 15 heures, t'inquiète. Et en plus c'est précis, hein, le 26 pile, tout pile. Mais écoute, bonne soirée à toi, merci d'être passé, c'est gentil. En théorie, je n'en prends aucune règle dans la description, donc en aucun cas je mérite un bannissement. Ouais, mais vu que je suis le roi et que j'en fais ce que je veux sur mon stream, il y a des chances que tu sautes. Mais bon, t'inquiète, je vais faire un effort, promis. Si tu fais un effort, je fais un effort pour pas te bannir ce soir. Aïe, oh putain. Je sous-doie en perleur, non. Non, je suis pas un mec qu'on sous-doie comme ça. Si tu rajoutes 150 euros avec, peut-être. Mais je suis pas un mec qu'on sous-doie comme ça. Tiens, déjà 20h16. Allez. Putain, j'aurais bien aimé terminer le jeu là, en fait. Histoire que... mettre un point final à l'aventure. Une bonne fois pour toutes. Et apparemment, le jeu veut pas me laisser finir. Le jeu a décidé que non, je ne le finirai pas. Moins un. Moins deux. Ah, tu l'as vu dans 40 minutes. Tu vas faire quoi? J'essaierai de passer te voir plus tard dans la soirée. Oh, merci pour le host, Lord Green. Comme d'hab. Merci beaucoup, mec. Ouais, j'essaierai de passer te voir parce qu'après, je vais aller manger. Je vais aller mettre ces Daredevil. Donc, un peu plus tard, je serai là.
Putain, vous êtes chiants les gars, vous êtes super chiants. Touk touk. Compliqué d'avancer hein. Il en arrive sans cesse ou quoi? C'est pas possible. Oui, je crois qu'il en arrive vraiment sans cesse quoi. Je trace hein. Oh là là, oh là là. Oh putain le vaisseau, d'accord, en fait il fallait juste s'enfuir. Pas rester là pendant 3 heures à tirer sur tout ce qui bouge. La honte. On aurait pu rester là jusqu'à demain en fait. Tu vas faire un live 24 heures. Waouh, bon courage mec par contre. Ça c'est chaud ça. Super chaud. Oh yes, la classe. La classe, la classe. On va arriver à décoller. Hein. Yes. On fait tout péter. Adieu les aliens. Pam 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 boum boum. C'est exactement la morale de cette histoire. Pam pam boum boum. Yes. Odds not in our favor yet. Michael Bay explosion. Et voilà, c'était Transformers 3. We better get ready for round 2. Like Patton once said, you don't win a war by dying for your country. You win a war. 48 ans à la fin de l'année, putain. Et ben voilà, c'était fantastique. C'était Alien Rage. Ah ben voilà. Ok, je m'attendais à voir le titre s'afficher en gros. Et ben voilà, on a terminé. Le parrain de Alien Rage. Est-ce qu'il y a la tante de Alien Rage? Producteur associé, chef de projet. Eh ben très bien. Je suis très fier d'avoir acheté ce jeu. Et je le cautionne amplement. Je dis bravo. Surtout quand le jeu bug et plante. Ah! Ah d'accord, le jeu, ok, je l'ai terminé. Le jeu, il s'est arrêté net. C'est ok. Mais merci, au revoir, quoi. Le jeu, il a dit merde. Il a dit non, c'est bon, allez, on a fini, allez, dégage. Je t'ai dit, le jeu, il s'est coupé, mais boum, net. Ok. Bon, ben, messieurs, dames, merci d'avoir suivi le stream. C'était cool, Alien Rage. C'était cool, ça pète dans tous les sens. C'était pas mal, c'était pas mal. Surtout pour le prix que ça m'a coûté 1 € et quelques, même pas. Donc je suis plutôt content de mon achat. Je le recommande. Un bon FPS arcade. Des familles, wesh wesh. Et puis voilà. Ma chérie joue à Reigns. Ouais, elle joue à Reigns Game of Thrones. Elle me l'a acheté aussi, il est excellent. Il est très très bon. T'as encore de la rejouabilité là-dessus. Et puis si tu veux, chaque passage est vachement bien orchestré en termes de scénario. Et si tu veux, vu qu'ils ont travaillé avec HBO, la bande-son est excellente, donc c'est la vraie bande-son de Game of Thrones et tout. Et puis la majorité des scénarios que tu vis pourraient très bien être les scénarios de la saison 9 et après. Et c'est juste énorme, tu vois. Ben oui, elle se régale, sinon elle y jouerait pas. Elle y jouerait pas, quoi. Voilà, voilà. Bon, mais les jeunes, passez une bonne soirée, mangez bien, livez bien, surtout, hein. Et puis, effectivement, Reign est un excellent jeu indé de toute manière. Et si je dis pas de bêtises, ils sont pas français en plus, par la même occasion, le studio. Et ça c'est super, ça. C'est super. Donc voilà, vérifiez. Allez, ciao, bon appétit, et à la prochaine, les gars. Merci à vous. Même à Firewolf.